Perpignanaises, Perpignanais, mes chers amis. Nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer l'appel du collectif Nous Perpignan pour construire un projet de gauche, démocratique, solidaire et écologique pour la ville et pour son agglomération. Nous avons voulu le faire ici, sous la statue de François Arago pour le symbole, pour rappeler que Perpignan, pendant un demi-siècle, a été un haut lieu des idées progressistes et des luttes progressistes, pour dire notre espoir qu'elle puisse renouer avec cette belle histoire et sortir du marasme dans lequel des politiques conservatrices, sans vision pour la ville et sans considération pour ses habitants, l'ont plongée. Et nous nous tenons ici, tous ensemble, debout, devant vous, pour vous annoncer que oui, les Perpignanais pourront choisir un projet de gauche pour leur ville aux prochaines échéances municipales, un projet qui sera ambitieux, qui sera sérieux et qui leur proposera des solutions concrètes, réfléchies et innovantes à leurs problèmes et à leurs attentes. Et leur dire que oui, ils auront à leur côté une équipe qui le défendra avec conviction, parce que nous avons la certitude que c'est de ce projet que Perpignan a besoin. Alors, disons-le tout de suite, la tâche ne sera pas facile. D'abord parce que la gauche locale a abandonné Perpignan depuis des années. Repliée dans ses bastions, elle s'est accommodée de voir la ville se dégrader pour préserver d'autres intérêts. Elle n'a pas compris qu'en abandonnant le cœur du pays catalan, elle le perdrait immanquablement tout entier et qu'elle paierait peut-être cet abandon de son âme. Ensuite, parce que la gauche aujourd'hui est déboussolée. Certains se sont soumis aux injonctions d'un pragmatisme triste qui se dévoile aujourd'hui pour ce qu'il est, de droite. D'autres ont la tentation du repli, de la réaffirmation crispée de soi ou de la posture. Ce que l'on peut comprendre, mais ce qui ne permettra pas à la gauche de gagner à nouveau, ni ici, ni ailleurs. Le défi est immense donc. Reconstruire la gauche à Perpignan et participer à la reconstruction d'une gauche qui puisse lutter vraiment contre les forces conservatrices qui sont si puissamment installées dans notre ville. Le défi est immense, mais nous sommes prêts à le relever. Nous avons pour nous le courage et nous avons surtout, ensemble, été capables déjà de dire ce que doit être une politique de gauche pour Perpignan et pour demain. Quand nous disons que la gauche de demain doit être écologique, solidaire et démocratique, nous, nous en tirons toutes les conséquences. Car la gauche ne peut plus simplement se proclamer, elle ne peut plus s'invoquer elle-même, elle doit prouver par la pratique son existence et son utilité. L'écologie est une nécessité vitale pour l'humanité. Elle est aussi un espoir de vivre mieux demain qu'aujourd'hui et une opportunité pour transformer notre modèle économique et culturel. Les principes de solidarité et de démocratie, nous ne nous contentons pas de les proposer à d'autres. Nous tâchons de nous les appliquer parmi nous, parce que c'est la raison d'être de la gauche et parce que nous prouverons ainsi qu'ils ne sont pas contradictoires avec l'efficacité politique. La gauche de demain, elle ne peut pas se contenter de dénoncer, de vitupérer et finalement d'attendre. Elle doit croire dans l'intelligence collective pour offrir à nouveau de l'espoir aux classes moyennes et aux classes populaires. C'est sa mission. La gauche de demain, elle ne peut pas singer les pouvoirs de droite, s'adonner au culte du chef ou défendre les petits intérêts de ses propres oligarchies. Elle doit proposer des formes de pouvoir qui permettent la réflexion, l'expression et la participation de tous. Parce que ce n'est que comme ça que nous reconstruirons une société de confiance, une société confiante, forte et dynamique. La gauche de demain, elle doit regarder de l'avant. Elle doit être audacieuse, elle doit aussi être modeste et sérieuse dans ses pratiques. La gauche de demain, elle a besoin de vous tous pour relever ce défi et dessiner cet horizon collectif. Et c'est pourquoi nous, Perpignan, a décidé de lancer aujourd'hui cet appel devant vous. Je passe la parole à Timéa. Le collectif Nous Perpignan lance un appel, car la situation de notre ville est préoccupante. Citoyennes et citoyens de toutes les origines, de tous les sexes et de toutes les conditions, nous voulons garder l'espoir d'un mieux vivre à Perpignan. Nous posons tous les mêmes constats. Des pans entiers de notre cité s'enfoncent dans la pauvreté. Le lien social
sociale se délite jour après jour. Notre ville s'étend, certes, mais sans réelle vision d'ensemble. Elle laisse mourir notre centre-ville et n'offrira bientôt, à perte de vue, qu'un paysage de surface commerciale. Notre ville ne soutient et ne promeut la créativité de ses habitants. Notre ville n'offre aucune opportunité à ses jeunes et à ses talents. Notre ville est sinistrée. Notre ville laisse aujourd'hui aucune perspective pour plus de 11 500 personnes sans emploi. Sans parler même de tous ses habitants les plus en situation de précarité. Notre ville est gouvernée depuis 60 ans par les mêmes équipes dont le seul objectif principal est de conserver un pouvoir. Un pouvoir qu'elles pensent pour acquis, qu'elles pensent leur revenir de droit. Est-ce ça que nous voulons pour Perpignan ? Perpignan mérite mieux. Tout est fait pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, que le seul choix réside entre la perpétuation des équipes actuelles ou le saut dans le vide que représente l'extrême droite. Notre collectif s'est constitué pour pouvoir contredire cette pseudo-fatalité. Notre collectif est composé de militants politiques ou associatifs, mais surtout de gens qui se reconnaissent comme citoyens et qui veulent dire haut et fort que notre ville est chargée d'histoire, que notre ville est une ville multiculturelle, que notre ville est une ville riche de ses différences, que notre ville est pleine de potentiel, que notre ville doit faire vivre dans l'espace public le vivre ensemble, que cela doit rester une réalité. Notre ville est pleine de potentiel. Son patrimoine, son savoir-faire et surtout ses habitants doivent être les atouts de la transformation. Perpignan, capitale du pays catalan, doit retrouver sa place, doit retrouver la place qui lui revient parmi les autres capitales régionales qui l'entourent. Perpignan, aujourd'hui, doit pouvoir être forte d'un nouveau projet pour notre ville, un projet démocratique où les habitants puissent participer pleinement à la bonne gouvernance de notre cité, un projet écologique, un projet de progrès social, un projet de développement économique cohérent, un projet réellement ambitieux où les habitants puissent être fiers de participer à la renaissance de Perpignan. Ce projet est un projet collectif et doit le rester. Et nous vous invitons tous à venir nous aider à le construire et ainsi à appliquer d'ores et déjà et dès maintenant les principes démocratiques d'écoute et de collégialité que nous voulons voir enfin gagner et triompher dans notre ville. Alors si vous aussi, vous voulez faire de Perpignan une ville exemplaire démocratiquement, une ville cohérente socialement, une ville pétillante culturellement, une ville avant-gardiste sur tout ce qui concerne l'écologie, une ville qui, oui, est prête à affronter les défis de demain, et une ville dans laquelle enfin il pourra faire bon vivre. Alors venez, rejoignez-nous, et ensemble, parce que nous en sommes capables, Fem Perpignan Grande Now. Merci. Bravo. Merci, Timéa. Merci à tous. Nous avons réussi ça. Nous pourrons réussir d'autres choses. Maintenant, on nous a demandé de quitter la scène. Nous vous invitons, pour ceux qui le veulent, à un petit apéritif devant l'atelier du Parti pris. Pour les autres, les dates sont prises sur le flyer. Nous nous retrouverons. Le projet est en marche. Rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous. Au revoir et merci. Merci.